Oh!
livres, les traditions se transmettent. Le racisme est une couleur à bannir. La musique rapproche les hommes. Les traditions réunissent les peuples. La couleur est une apparence. Et si la musique nous est si chère, c'est qu'elle est la parole la plus profonde de l'âme. Et dans le texte de Bougainville, les Tahitiens font découvrir leur univers musical aux Espagnols, tandis qu'eux aussi, à leur tour, leur font partager leur univers. La couleur est une richesse à partager, la musique est un mouvement à écouter et la tradition un apprentissage à évoquer. À bannir. Le racisme qui nous empêche d'avancer. À bannir. La musique raciale. À bannir. Les gens qui sont contre le partage. Les gens devraient s'ouvrir aux autres en partageant leur musique et leur tradition. La diversité n'est pas un moyen de nous anéantir. Mais un moyen de nous réunir. Rencontrer tous ceux qui pourraient se montrer lors d'une rencontre, deux inconnus qui se montrent, tout faire pour se découvrir et garder le sourire. Mais aussi pour créer des liens, pour pouvoir rester quelqu'un de bien. Ressentir de l'amitié et de l'amour, tisser des liens pour toujours. Les liens étaient difficiles à tisser dans le temps, beaucoup plus facile maintenant. Un échange peut se faire et au lieu de se taire, on devrait se parler, on a beaucoup de culture à partager. Elles doivent se répandre à travers le temps. La culture se propage par écrit et grâce à la technologie d'aujourd'hui. Mais aussi par leurs différentes formes. Elles se propagent dans le monde. La mondialisation des cultures continuera-t-elle dans le futur? Nous pouvons constater que le fait de rencontrer donne une culture partagée grâce à des liens tissés qui la fait se mondialiser. Le voyage permet la convivialité car qui dit échange dit découverte et partage. Au cours de l'histoire, les voyages ont permis la découverte de nouveaux mondes. Mais malheureusement, ces découvertes ont engendré la colonisation, l'exploitation des richesses, des terres et des populations. Mais comment passe-t-on de cette colonisation à la francophonie? Les tensions se font tout d'abord apaisées et une certaine entente s'installe. Le respect et la tolérance entre les peuples francophones s'intensifient dans un cadre pacifique. Mais parfois, certains peuples agissent avec une réaction délicate. Tiens, regarde par exemple, l'Algérie et l'Indochine. Se sont provoqués des guerres civiles ou des conflits militaires. Mais pourquoi cette réaction? Car ces populations colonisées n'ont pas forcément envie d'être occupées par un peuple plus développé. Et imposant sa religion, ses coutumes, ainsi que ses connaissances. En effet, ces pays souhaitaient être indépendants. Oui, mais en perdant souvent le français comme langue, car si on prend l'exemple du Québec, ce peuple a bien accepté de parler en partie notre langue afin de s'appliquer dans la communication avec le monde entier. C'est une forme de convivialité. C'est sûr, mais si on fait une approche plus précise, il y a aussi la musique, la danse, la gastronomie, la culture, ainsi que les savoirs scientifiques. Donc si on conclut, la colonisation a eu surtout des points négatifs. Bien sûr, elle a permis les voyages, la francophonie, la convivialité et la tolérance. Mais a provoqué l'esclavage, l'exploitation, la soumission. Ce qui a produit des guerres, des rébellions et de la discrimination. À travers la musique africaine, on peut ressentir les joies, les peines, rejetées de la société, sans pays, sans papier, ne pouvant dépasser leurs frontières, prisonniers de leur propre pays, des hommes de couleur, n'ayant qu'un seul but, faire régner l'égalité, humiliés par des personnes différentes d'eux-mêmes, remplis de douleur, leur cœur souffre face à ces regards, ils sont noirs, nous sommes blancs, mais quelle importance, mais quelle importance, mais quelle importance. La rencontre de l'autre. La rencontre de l'autre. Est-elle une bonne rencontre ou une mauvaise rencontre? Tout dépend du contexte. Prenons pour exemple l'esclavage qui a été une période tragique pour les personnes concernées. L'esclave est soumis à l'homme qui l'a acheté, autrement dit son maître. Les esclaves, en provenance d'Afrique, étaient contraints de se convertir à la religion chrétienne. Malgré leurs liens familiaux, ils sont traités comme des animaux. La maltraitance des esclaves a été représentée par certains peintres qui ont pu montrer l'horreur de l'esclavage. Grâce à ces peintres, on connaît les atrocités commises sur les esclaves. Cela nous donne une autre vision du monde. Nous avons découvert la cruauté des gens par la peinture qui nous a fait admettre l'exploitation de certains êtres humains au service des autres. Dans ce monde où rien n'est facile, l'acceptation de l'autre est très difficile. Les gens sont rejetés à cause de leurs différences, de leur physique et aussi de leur handicap. Pour être acceptés, certains trouvent refuge dans la musique. Les musiques de différents genres. La musique est un moyen de s'évader. Elle permet d'exprimer ses sentiments, ses émotions
En Afrique, de père en fils, on raconte des histoires, on se parle et la musique rythme les mœurs. Pour d'autres, c'est la danse qui est un refuge. Car c'est un langage particulier. Où le corps s'exprime. Et où chacun révèle sa personnalité. Toi, moi, nous. Nous sommes rejetés à cause de nos différences. Pourtant, nous avons tous besoin de la reconnaissance des autres. On a tous au fond de nous...